Bienvenue à l'installation de Subisoft. Bien, la première étape, c'est de télécharger le fichier, puis de décompresser le fichier zip. Alors, comment cela se passe-t-il? Ah, c'est très simple. Vous avez un fichier ici, install-subli.zip, vous double-cliquez dessus et vous tombez sur le logiciel d'installation. Si vous n'avez pas de logiciel pour dézipper, vous cherchez sur Google 7 zip, un seul mot, 7 zip, et vous installez ce logiciel de décompression. Alors, si vous avez un message vous disant qu'un exe peut être dangereux, vous passez le message et vous continuez. Puis vous choisissez la langue française pour installer. OK. Bienvenue dans l'installation de Subisoft. Suivant. Mot de passe. Le mot de passe, c'est vous pouvez laisser le répertoire par défaut ou changer le répertoire. Vous installez. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer une icône sur le bureau. C'est parti. Puis ensuite, on vous propose d'installer, d'exécuter Subisoft. Et vous tombez sur un petit panneau qui vous propose de vous enregistrer. Donc, vous êtes maintenant dans la phase enregistrement. Double-cliquez sur Enregistrez-vous et vous tombez sur une page qui vous propose de vous enregistrer. Il faut mettre votre prénom et votre email principal. On vous remercie. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à entrer le numéro de série qui va vous être donné dans le panneau que nous avons vu tout à l'heure. Lorsque le processus d'enregistrement est terminé, vous n'avez plus qu'à taper votre email dans la boîte de dialogue. Ensuite, donnez-moi mon numéro de série. Et là, on vous donne un numéro, vous n'avez plus qu'à copier. Et vous entrez le numéro de série dans la boîte de dialogue en cliquant sur ce bouton. Tapez votre email. Contrôle-V ou coller. OK. On vous prévient que le programme va se refermer pour pouvoir démarrer. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le programme pour le redémarrer. Et vous arrivez sur le panneau principal. Bravo, vous avez installé Subisoft.